Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Pour faire l'activité qui est une capsule spéciale pour Pâques, vous aurez besoin de vos crayons feutres de couleur, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une efface, d'un carton blanc rigide. Alors pour le spécial de Pâques, je vais vous permettre de créer un œuf qui crée aussi une illusion d'optique. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec ce qu'est une illusion d'optique, c'est le fait que parfois, quand on regarde quelque chose, notre œil envoie l'image à notre cerveau et notre cerveau l'interprète mal. Par exemple, avec mon œuf ici que j'ai comme modèle, vous allez essayer de regarder le centre et de fixer le centre pendant que je le tourne. Vous devriez avoir l'impression que mon œuf se transforme en spirale, qui pourrait même vous absorber. Alors, c'est une illusion d'optique que j'ai créée assez facilement et je vais vous montrer comment faire. Alors, si vous avez votre matériel, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, on commence par notre croquis. Pour faire notre œuf géant, vous aurez besoin de faire l'équivalent d'une grosse goutte d'eau, donc une grosse forme ovale. Comme d'habitude, pour faire le croquis, on ne pèse pas trop fort avec notre crayon mine pour, si on fait des erreurs, pouvoir facilement effacer et recommencer. Alors ici, j'ai été chanceuse, je me suis pratiquée plusieurs fois, mais si j'avais fait une erreur ou j'avais dépassé, j'aurais pu effacer parce que je ne pesais pas trop fort. Une fois la forme ovale de votre œuf faite, si vous êtes satisfait, vous faites un point à peu près au centre. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à tracer des cercles autour de ce point. Plus vous êtes vieux, plus vos cercles devraient être petits. Donc, pour les amis qui sont, par exemple, en première année, deuxième année, vos cercles pourront être à peu près de la forme des miens. Les autres, ils pourraient avoir des cercles encore plus proches du centre, mais ça va être plus de travail. Donc, plus vos cercles autour de votre point au centre, au milieu, seront petit, plus ce sera du travail pour le coloriage au crayon feutre. Donc, on continue en tournant autour de notre centre. Encore une fois, vous voyez, ce n'est pas grave si le cercle n'est pas parfait. L'important ici, c'est qu'on ait à peu près un cercle de la même largeur ici d'un cercle à l'autre. Donc, je continue autour de mon point en faisant des cercles de plus en plus gros. Si c'est une partie difficile, vous pouvez demander aussi l'aide de vos parents. Ceux qui sont plus grands ou qui ont un grand frère ou une grande sœur pourront aussi demander peut-être un rapporteur d'angle. C'est un outil qui permet de se centrer avec l'outil métallique au centre et de simplement faire tourner le crayon pour faire des cercles parfaits. Encore une fois, vous n'avez pas par contre besoin que vos cercles soient parfaits, juste que la largeur entre chaque étage soit à peu près de la même grosseur. Donc ça devrait faire un peu comme un tronc d'arbre qui est coupé quand on regarde une bûche, par exemple, de haut. On devrait voir les lignes qui ressemblent à ceci. Quand j'arrive à la bordure de mon œuf, donc de ma coquille d'œuf, j'arrête. Donc, si je fais ici mon cercle, je continue mes formes circulaires simplement en arrêtant quand j'arrive à la ligne. Et vous devriez arriver à ce résultat-ci. Donc, j'aurais fini mon croquis. Une fois mon croquis terminé, vous allez choisir trois couleurs vives, dont idéalement du jaune. Le jaune, pourquoi? C'est facile de tracer beaucoup de jaune au crayon feutre sans qu'on voit les lignes. Par exemple, ici, vous voyez mon mauve, il est plus foncé et on voit plus les traces de mes crayons de couleur, ici de mes coups de crayon mauve. Donc, je vous conseille de prendre des couleurs qui vous font penser à Pâques, mais qui ne sont pas trop foncées. Donc, moi ici, je pourrais prendre un jaune, un mauve très pâle et un orange très pâle. Trois couleurs joyeuses qui vont me donner un beau mélange. Alors, pour commencer, si je décide de commencer avec mon orange, je vais simplement repasser sur le petit point que j'avais tracé au centre. Si ensuite je veux faire ma séquence orange, rose et jaune, je passe à mon rose. Et comme d'habitude au crayon feutre, je fais la ligne de contour avant de tracer l'intérieur de mon cercle. Attention de ne pas peser trop fort et de ne pas vouloir aller trop vite pour ne pas dépasser. Donc, vous faites l'intérieur de votre premier segment ici, de la couleur que vous avez choisie. Encore une fois, vous pouvez choisir les couleurs que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de prendre les mêmes que moi. Si je respecte la séquence, je serai maintenant rendue à mon jaune. Alors, même chose, je fais le tour
de mon cercle avant de remplir le tronçon intérieur ici en jaune. L'important ensuite pour réussir notre illusion d'optique, ça va être de respecter la même séquence de couleurs. Donc, vous l'avez deviné. Si j'avais orange, rose, jaune, je suis maintenant rendue à faire mon contour au orange. Je commence toujours par la ligne de contour avant de faire le coloriage du centre. Alors, si comme moi, vous avez oublié certains espaces, ce n'est pas grave, vous avez juste à repasser pour couvrir les petits espaces blancs qui restent. Donc, si je respecte ma séquence ici, une fois que j'ai fait mes petites retouches, je serai rendue à mon rose. Contour, puis intérieur. Alors, une fois que mon cercle est fait et que j'ai fait tous mes étages, vous devriez arriver à peu près à ce résultat-ci. Ça, c'est si j'avais pris les couleurs mauve foncé, jaune et rose. Donc, ça, c'était pour un autre choix de couleur. Maintenant, une fois cette étape terminée, vous pouvez arrêter ici ou vous pouvez également rajouter une ligne qu'on appelle une ligne brisée. Donc, une ligne brisée, c'est une ligne droite qui est coupée en petits morceaux. Donc, vous allez deviner rapidement pourquoi je fais une ligne brisée. Une ligne brisée ici, ça va être comme si je faisais un œuf craqué. Donc, pas besoin d'une règle pour le faire. Vous avez juste besoin de faire l'équivalent de petits crochets, comme des petites pyramides, pour faire comme mon œuf qui craque. Vous pouvez ensuite arrêter là ou simplement le découper. Comme d'habitude, mes ciseaux devraient faire très peu de mouvements. C'est vraiment ma feuille qui tourne pendant que je le découpe. Une fois mon œuf découpé, vous pourrez toujours vous amuser à faire l'illusion d'optique en la faisant tourner. Mais une fois mon œuf découpé, je vais pouvoir rajouter un petit poussin parce que bien entendu, on fait ça pour Pâques. Alors, pour faire votre petit poussin, qui ressemblera à ceci, vous aurez besoin seulement d'une demi-feuille jaune. Donc, comme d'habitude, on trace notre croquis. Pour la tête de notre poussin, vous aurez besoin d'un cercle sur lequel, comme moi, vous pouvez rajouter deux petites plumes, les yeux, le bec. Et pour faire les petites ailes de votre poussin, vous faites simplement l'équivalent de deux gouttes d'eau. Une et deux. Pour faire ressortir mes yeux, je vais repasser au crayon feutre noir par-dessus et je vais aussi colorier mon bec orange pour bien faire ressortir le bec de mon poussin. Donc encore une fois, le contour avant de colorier l'intérieur de mon bec. Une fois les petits morceaux de mon poussin dessinés, je vais pouvoir découper les trois. Une fois découpé, vous aurez donc une tête avec les deux petites ailes que vous pourrez ensuite aller coller derrière votre œuf. Donc ici, j'avais utilisé du ruban adhésif. Vous allez pouvoir les coller les trois ensemble et simplement coller derrière votre œuf votre poussin en train de sortir et la coquille ouverte ainsi. Donc ça, c'est la version pour les amis, je dirais, à la limite jusqu'à la troisième année. Pour les plus grands qui désirent faire deux illusions d'optique, vous pourrez faire la même illusion d'optique que nous avons fait avec l'œuf, donc circulaire et comme vous pouvez voir, mes lignes ici sont plus minces. Et pour le haut de votre œuf, vous pourrez simplement prendre une autre forme d'illusion d'optique, ici les vaguelettes. Pour faire les vaguelettes, le principe est à peu près le même. Donc si par exemple, j'avais ma feuille ici, pour les plus grands, vous ferez donc votre ligne brisée au début, directement sur votre œuf. Votre point pour la partie circulaire se fera au milieu, au bas. Il y aura
des cercles qui seront de plus en plus gros, mais dont la distance d'un cercle à l'autre devrait être à peu près la même. Et vous arrivez à la ligne brisée au centre. Vous continuez ensuite à rajouter les courbes comme si vos cercles continuaient jusqu'à la limite de votre œuf, d'un côté et de l'autre. Donc ici, ça serait le croquis pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Une fois le bas avec les formes circulaires fait, vous allez simplement faire une vague qui va aller de haut en bas ou de gauche à droite, c'est à vous de choisir. Et vous allez ensuite reproduire la forme de cette vague en faisant à peu près le même écart au centre. Donc, que les bandes soient à peu près de la même grosseur. Comme vous voyez, pas besoin que ce soit parfait tant que j'essaie de refaire un peu l'ondulation que j'avais commencé avec ma bande du centre. Donc, je continue jusqu'à la jonction entre mes deux œufs avec la ligne brisée et jusqu'à la limite supérieure de mon œuf. Ça, c'est pour ceux qui aiment les gros défis, donc deux illusions d'optique en une, ou pour les amis de 5-6e année, 4-5-6e année, comme il faut. Donc, je fais mes bandelettes pour couvrir toute la surface supérieure de mon œuf. Une fois que c'est fait ici, même principe, j'aurai simplement à choisir mes couleurs. Donc, par exemple, pour le bas, encore une fois, on essaie de prendre des couleurs pâles. Je pourrais prendre le orange, le jaune et le bleu, par exemple, pour le bas. Et pour le haut, je pourrais prendre le orange pâle, le rose pâle, par exemple, et un rose encore plus pâle. Donc, simplement, vous choisissez des séquences, même principe, et vous les respectez. Donc, si je pars avec le bleu au centre, ensuite, mon orange, le contour, puis le centre. Et enfin, le jaune. L'important sera de respecter cette séquence-ci. Donc, si je poursuis pour la partie du bas, je devrais continuer la même séquence. Bleu, orange, jaune, bleu, orange, jaune, bleu, orange, jaune, jusqu'à temps que j'ai rempli tout le bas de mon œuf. Si j'ai choisi la séquence orange, rose, rose, pâle pour le dessus, même principe, je commence par le contour, je remplis le centre, orange, rose, et rose pâle. Mon rose pâle est d'ailleurs un rose finalement assez orangé, mais ça donne quand même un beau mélange. Alors je continuerai ma séquence orange, rose, rose pâle orangé, orange, rose, rose pâle orangé, ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai rempli les deux morceaux. Donc une fois le bas et le haut coloriés, je découperai ma ligne du milieu pour donner ici mes deux morceaux d'œufs qui donnent deux illusions d'optique différentes. La première devrait donner le même résultat que la première version que nous avons faite, c'est-à-dire si vous regardez au centre et vous fixez le centre pendant que ça tourne rapidement, vous devriez voir apparaître la spirale. Alors que celle-ci est un peu différente, fixez un point, je peux vous en faire un petit peu un ici, et essayez de suivre ce point. Si vous regardez attentivement, votre œil devrait avoir de la difficulté à fixer et vous devriez avoir l'impression qu'il y a un mouvement en effet de vague, de haut en bas. Alors encore une fois, vous pouvez arrêter ici ou vous pourrez accrocher, coller les deux morceaux d'œuf ici avec du scotch tape ou de la colle et rajouter vous aussi le poussin. Même principe que vous collerez simplement derrière votre œuf. Alors, nous avons deux versions,
Une version pour les amis de maternelle, première, deuxième, troisième année, avec une illusion d'optique centrale et le poussin que vous pouvez rajouter. Et pour les plus vieux, quatrième, cinquième et sixième année, deux illusions d'optique avec aussi le poussin que vous pourrez coller. Alors, c'est la capsule pour les illusions d'optique de Pâques. J'espère que vous avez apprécié et que vous passerez une belle Pâques en famille!